Et bonjour à tous et à toutes, c'est Nerdus, je me rapproche pour mieux jouer et aujourd'hui on se retrouve sur Fomitubis. Vous entendez le son autant que moi. Voilà, je me dis bien qu'il va bien réglé ou j'ai bien peur. Donc multijoueur, on va faire main server, non pas custom. On va voir. Quel serveur on va pouvoir prendre? LOL et ma LOL. J'espère que cette session va bien jouer. Mélanie, parce que ça fait peur. Enfin, c'est pas que ça fait peur, c'est juste que ça crie, ça gueule. Bonjour. C'est avec moi quand je suis comme ça par moi. Oh ouais, oh bah tiens, attends, on va aller là-dedans. Y'a rien. J'ai toujours vu que c'est gay. Ah merde, c'est le monde de Minecraft. Fuck. Shit. Bonjour. T'as fait comment pour aller là-haut? Ah, tu peux monter, c'est vrai. Est-ce que vous m'oubliez que c'était un quartier? De craft, ouais, il me semble que c'est ça. Hein. Je vois pas d'autres explications. Par contre, arriver sur une map et tout de suite entendre des cris, c'est un peu bloc. Je voudrais bien avancer, mais ça y est un peu. Bon, tant pis. Hop, avec d'autres ça y est. Alors oui, on est sur Fomitubis en mode bonbon sur les côtés. On va pas prendre les serveurs japonais parce que voilà, les serveurs japonais, non. Tiens, un Fomitubis classique. Comme ça, hop. Ça va le faire. Collect all to utilise ça. Petit. Ça. Évidemment, je ne vois rien. On va même accélérer pour aller les rejoindre quand même. Found. Le Finlandais. Ouais, ils sont passés devant moi. Oh. Merci, Mac. Le cap Miss Mai. Hein. Désolé pour le bande noire, mais je suis obligé. Hein, j'optimise. Même là, regardez, ça bug des fois un petit peu. Ça sert à l'autre côté. Bonjour. Ça sert de l'autre côté, youhou. C'est mal optimisé. Hein. Wouah, ça bug de tous les côtés. C'est injouable. Bon, alors, c'est qu'un clair. On va jouer. Ça. Allez. Et j'espère que cette fois-ci, je vais pas me chier mon froc. Alors, ça met Concavation, you collect all the utilities que ça. Ça, c'est un bug. Que j'ai rien collecté du tout. Secret Lair. Lake. Non, c'est flagué. Land. Land. Outskirts, training mates, Fomitubis crafté et Fomitubis classique. On doit retourner sur Fomitubis session. Je n'ai rien fait dessus. Et je vais y retourner.
Bon, ce qu'on va faire, on va se mettre sur Sandy Cubis, premier du nom. Voilà, on se retrouve donc sur Sandy Cubis, premier du nom. Premier du nom. Toujours en facecam et toujours avec mon petit logo que vous avez. Bon, pas là. Là. Mon petit logo, parce que j'ai mis un petit logo en haut à droite. Multiplayer. Back. Single player. On va jouer en Scary Day. Oui, autoriser l'accès, bien sûr. Oui, attendez 2 secondes. Qui autorise donc l'accès? Voilà. Ok, je suis 6. Bon. On y va. On est donc 2 jours. Pour l'instant, ça ne fait pas peur. Parce que c'est 2 jours. Il y a moins de risques de jour que qu'il y ait des monstres que de nuit. Enfin, a priori. Ok, ça c'est la lampe. Ça c'est pas. Ça c'est Fire le. Ça c'est pour éteindre la lampe. Mais ça sert à rien la lampe de jour. On se le dit. Ah! Et bah ça commence, il y a un streamer. Bon. On va courir du coup. Un streamer. Bon. Je cours. Hein. Je sais pas ce qu'il y a derrière moi. Je n'ose même pas retourner. Me retourner, j'ai trouvé aucun bol. J'ai pas de bol, du coup. Ah, peut-être près de ça, je sais pas, je n'ose même pas me retourner, je cours. Ah, j'ai réglé pour que ce soit en quartier, hein, parce que. En désertivant, parce qu'en quartier, elle s'est tombée. J'aime pas cette plaine. Et j'aime pas ça. Oh mon dieu. À mon avis, il doit y avoir un putain de seau là-dedans. Le seau. Pourquoi les seaux? C'est des bols. Joli. J'ai une nuage par contre, hein. C'est clair que voilà. On va peut-être rentrer dedans, hein. Tant qu'à faire. C'est pas là. Non, c'est pas par là. C'est pas au-dessus. On peut se monter. Comme tous les. Voilà, regardez. C'est ce qui me semblait. Si je monte de. Oh putain! Vous avez vu comme moi, il y a un Sandy Tubis qui me court après. Mon dieu, dieu. Vas-y, moi je me casse. Faut pas déconner. Pas par là, pas par là, par là. Mon dieu, dieu. Ouais, évidemment, vous voyez ma souris. Bah oui, bah, je suis désolé, hein, mais bon. C'est. Voilà. Comme ça, enfin comme ça, voilà, comme ça vous voyez plus la souris, et comme ça le mec il est plus derrière moi. Je me permets de voir si le mec il est derrière moi, il est plus derrière moi. Bon. Maintenant il suffit de trouver les bols, mais urgent à la maison, on ne peut pas déconner. Pardon. Ah bah il est là, bordel! Mais oui, bah ce qui meurt de merde. Laissez-moi tranquille, bordel, j'ai rien demandé. Bon, petit passage de souris, et hop là! Il est là-haut. Oh mon dieu, dieu. Et il me court après, salaud. Mais lâche-moi. Non, pas là. Pas ici, quoi. Laissez-moi tranquille. Bon, ce qui est différent de Sin City Beast 2, c'est qu'il n'y a pas de caméra. Et une lampe, elle sert à rien de jouer. Putain, Sin City Beast, laisse-moi tranquille, bordel. Je ne t'ai pas fait de mal, moi. Je retourne un peu le début, hein, voilà. Écoutez, je suis la route. Faut bien voir où ça me mène.
Pour l'instant, j'ai récolté aucun. Non, alors, ça sert à rien. J'ai récolté aucune bol. Pas de bol. Ah, par contre, ah, bah voilà. C'est bon. 1 sur 10. Bon. Le premier. Et dès lors, on va voir celui-là. Alors. Encore désolé pour le bon noir. Bon, faut pas. T'es malade, toi. Les arbres. Il paraît que ça fait peur quand c'est de nuit, mais. On va jouer de nuit. Il fait jour. Ah, un bol. Et de deux. Le but, évidemment, comme dans un Slender, il faut récupérer tous les bols. Enfin, dans un Slender, c'est toutes les pages. Et dans cette Tubis. Ah, putain de merde. Et dans cette Tubis, il faut récupérer quoi? Des bols. Donc, on se fait savoir par les. Par les. Par les. Par le Slender Tubis. Le Saint Tubis. La plage. J'aime pas ça du tout. Il y a un bol. Où je récupère le bol avant qu'il se réveille au trou du cul. Et hop! Et je m'en vais. Mais les feuilles me bloquent. Allez, je me fais gangbang par des feuilles. Oh, puis, tant pis, je passe par là. Au revoir. Je vous jure, j'ai des frissons dans tout le corps. C'est un truc de malade, quoi. Pourtant, c'est un jeu qui devrait pas trop faire peur. Vous voyez, c'est juste un Teletubbies. C'est juste un Teletubbies violet qui a une sale gueule et puis qui fait croire qu'il fait peur. Mais je suis quand même en train de me chier dans mon froc, c'est un truc de mal. Pourtant il fait jour, hein, il fait jour, il fait beau, regardez le soleil, voilà, il fait pas moche, regardez le temps qu'il fait, il fait pas moche, je veux dire. Ce qui me fait chier, c'est. Merci d'avancer. Ouais, je crois que j'ai récupéré quoi, 3 bols. Bon, non, pas là, mais pas là, mais il y a de l'artus, va pas par là. On va contourner le machin. Écoutez, on va contourner le machin, ça c'est plus possible. Ah, la partie peut être très longue, hein. Déjà 8 minutes de vidéo. De la deuxième partie plutôt. Oh putain. Alors j'entends le son, hein, c'est pas parce que. C'est juste que au montage, j'ai coupé le son de fond et vous entendez que le son de ma voix. C'est quand même mieux. Comme ça aussi vous voyez mon visage quand j'ai peur. Comme je me chie littéralement dessus aussi. Bon, je me retourne. Et pour scène. En plus, sans vous mentir, j'ai une araignée qui se balade dans ma chambre. Si elle arrive à monter sur moi pendant que je joue à ce jeu, je peux vous assurer que je sors de la vidéo, de la caméra, je vais directement dans le couloir. Ah mais, oh mon verre. Ah mais direct, je cherche pas à comprendre. Y a pas... Ah putain de... Oh, c'est une étubiste qui commence à me casser les nerfs. Casser les nerfs. Ok, normal, c'est normal que je dise ça, j'ai peur. Il y a un saut là-dedans. Un bol! 4 sur 10. Ok, bon. Ça fait 4. Des 4. Et des 4. J'ai des frissons dans tout le corps. J'en ai marre. C'est là que j'ai trouvé le premier bol, il me semble. Et c'est ici que j'ai trouvé le deuxième, il me semble aussi. Non, non. Je pense que si je vais par là, je vais voir la maison. À tous les coups. À chaque fois qu'on s'approche de cette foutue maison de Téduise, on a peur.
Alors je n'ai pas regardé en haut de cet arbre. Il y avait un pendu. Normalement, il devait ouais, y avoir un pendu quelque part. Non, là, c'est la plage. Bon. Avec le télétubbies violet qui. Ah, pardon, excusez-moi. Avec le télétubbies violet qui est mort. Mais. Joli, il fait qu'il bouge là tout à gauche. Bon, on va éviter de ralentir quand même. N'oublions pas qu'on a un télétubbies collé aux fesses. Si j'ai par là. Que ça va mener au à la maison des Teletubbies? Je pense pas, hein, parce que là je vois des feuilles. C'est pas dit. Peut-être que je vais tomber sur la... Ceci dit, hein, Ah putain, le screamer à la con. C'est le. C'est le Teletubbies rouge. Il me fait chier. Même de jour on peut avoir peur, hein. Croyez-le pas. Croyez-le. Ah, merde. Croyez-le ou non, de jour comme de nuit, il fait peur ce jeu. On va essayer de passer par là. Normalement en sautant. Ok, normalement ce que j'ai fait c'était un demi-tour, mais normalement il faut pas faire de demi-tour. Parce que sinon on risque de se trouver. Alors, vous voyez encore ma souris. Ah putain de merde! J'en ai marre le screamer. Shit, merde. Hop là, on se voit, on se voit. À venir, sur mes sections, il faudrait que j'arrive à couper la souris, de plus mettre la souris. C'est quoi ça? Ok, c'est une... C'est... Je sais pas c'est quoi. C'est du feu, ça. C'est du feu. Et c'est un bol. 5 sur 10. Oh putain, ça y est. Bah oui, du coup, 5 sur 10. Ça accélère. Du coup, on va faire en sorte de survivre. Maintenant, on est à 5 sur 10. On est à la moitié du parcours. Non. On est à la moitié du parcours. Je cherche les autres bols. Parce que le but du jeu, évidemment, c'est de trouver tous les bols. C'est même pas un jeu, c'est un truc qui fait flipper, tu t'essayes littéralement dans ton froc, c'est plus possible. Enfin bref. Alors ça c'est le point de départ. Alors ne croyez pas que si je n'ai pas de casque ni d'écouteurs, que j'entends pas le jeu. Ça a rien à voir. Rien à voir. Parce que l'approche, je parle fort. Pour que vous puissiez m'entendre. Mais évidemment, au montage, vous entendrez pas le... Ah oh, putain, j'ai quelque chose qui... Ah non, c'est rien, c'est le fil du... La trouille pour rien, quoi. Bon. Oui, on va me battre cette petite bise. Oh putain, c'est que j'étais prêt, c'est que je suis prêt de la plage, si vous pouvez dire. Merci d'aimer tous, mais je veux pas. Merci. Évidemment, on va me souiller. Ah putain, non! Accélère toi! Je veux pas me faire choper par ces litubises! En plus, c'est ça qui est chiant. On est obligé de courir constamment avec ces litubises au cul. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Et un autre bol, ça fait 6. Fait chier. Passe par là. J'en suis sûr, il faut aller dans la maison parce qu'il y a un... J'en suis sûr, il y a un bol. J'en suis sûr, il y a un bol dans la maison. Il faut aller chercher dans la maison. Allez hop. Allons-y. Tant pis pour les scènes des tubis. On les affrontera. On porte nos couilles à pleine main et on y va. Il faut encore trouver le scène des tubis. En plus dedans, je parie qu'il y a l'aspirateur. Vous savez, le fameux aspirateur des tubis. On va passer par là pour essayer. Sachant qu'il est toujours. Oh merde, on passe. On suit la route, hein. Sachant qu'il y a toujours le Sandy Dubis qui nous colle aux fesses. C'est plus possible. Oh putain, mais c'est pas vrai. Des screamers, j'en arrive, et là, je suis pas en manque de screamers, là, pour le coup.
Pour le coup, je suis pas en manque de streamer, ça c'est clair et net. Oh putain, bol. 8, 7 sur 10. Il m'en manque 3. 3 foutus bols. Avant que cette dubise me chope. Ce que je vais faire, je vais tout faire pour que le dernier bol soit dans la maison. Comme ça, au moins. Putain, j'ai à côté de la maison. Oh putain. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'intérieur et on essaie de choper le bol. Au risque de se faire avoir par ces tubis. Non. Il faut jouer stratégique. Il faut essayer d'avoir le reste des bols. Ouais, c'est un truc que ma mère m'a appris. Qui tient surtout de son père, qui était donc mon grand-père. Ne me posez pas la question pourquoi j'ai dit était, vous savez pourquoi. C'est sûrement pourquoi. Bonjour. C'est ici que j'ai trouvé un bol. J'ai des bols lélé. Vous voyez, j'ai tellement peur que je dis n'importe quoi. En fait, j'ai peur que cette idée du bis me chope et que j'arrive pas à avoir tous les bols. Attends, il m'en manque 3, quoi. 3 putains de bols. J'en suis sûr, je marche à côté des bols sans les voir. C'est un truc de malade. Bon, cette vidéo va être assez longue, je pense. Hein. Ça, c'est le truc du début, donc on va aller par là-bas. On va s'enfoncer un peu sur le côté. On va longer. Parce que normalement, je crois qu'il y a une grotte. Ouais, je crois qu'il y a une grotte où il y a justement un bol. Ou même dans les coins. Ah putain! C'est pour ça que je cours plus vite. Et là, je crois qu'il y a un bol. Non, j'ai déjà récupéré le bol en fait. Mais ralentis pas toi! Le titre de la vidéo, ce sera. Nertus se chie dessus sur Sentitubis. Pas de description, pas besoin. Non, pas besoin de description. Le rendu vidéo va être magique. Vous aurez autant peur que moi. Chier, aidez-moi à trouver ces trois putains de bols. Quand on a peur, on s'insulte, bordel de merde. Pourquoi tu ralentis, toi, satané? Ouais, hop, c'est pas grave. Allons dans la maison. Tant pis. La vidéo ne doit pas être trop longue. Et voilà un bol. Je vous avais dit 8 sur 10. Maintenant, faut que je sorte de la maison. La porte est ouverte et c'est parti. Voilà, on a réussi à sortir de la maison sain et sauf. Maintenant, il nous faut trouver les deux putains de bols restants. Alors, je joue 2 jours. Donc, 2 jours, c'est plus facile que de nuit que de nuit ou que de. Parce que déjà il fait jour et que je vois pas pourquoi je jouerais de. Je crois que même de jour que de nuit, ça fait autant peur. Je crois que ça n'a rien à voir en fait. Le concept de 2 jours, de nuit ou de quoi que ce soit, non, ça n'a rien à voir. Donc je l'avais dit qu'il y avait un bol dans la maison. Il suffisait d'aller le récupérer.
Cette fois-ci, on va passer par là. Bon, cache, je me prends pas le temps de ralentir. Cherche autour de l'arbre, c'est pas un putain de bol. Eh ben non. Je retourne sur la plage pour voir si j'ai pas un bol, comme quoi peut-être que. On ne sait jamais. Mais ce qui me fait chier, c'est que plus j'ai de bol, plus Sandy Tubby va venir me choper. Et ça. Voilà, j'aimerais pas. J'aimerais pas du tout. Pour l'instant, je le vois pas, cette tubi. Si je m'arrête, je tourne autour de l'arbre et je vois nulle part cette tubi. J'en suis sûr, il est en train de marcher autant que moi. Si ça se trouve, je vais me le voir en face de moi. Et je commence à avoir mal aux doigts avant d'appuyer sur les deux boutons. Sur Z pour avancer et sur Shift pour courir. On sait pas que, mais je voudrais bien trouver de bol. Putain, il y a de moins en moins de bol. Moins il y a de bol, plus c'est compliqué de les trouver. Donc c'est mission impossible en fait. Hein. Il fait jour. Ah putain, ça y est, ça y est. Putain, mais c'est pas vrai. Pas. Ouais, j'imagine pas de nuit. J'imagine pas de nuit ce que ça donne. J'imagine pas une seule seconde ce que ça donne de nuit, quoi. Bon, à mon avis, je crois que la vidéo sera étirée. Je crois. Hein. Je suis pas sûr. On verra bien. On avance. On va envoyer plus la souris, mais c'est tant mieux. Bon, on va aller... Ah putain! Bon, j'allais dire, on va aller énerver Sandy Tubby en allant dans sa maison. Mais apparemment, il nous balance que des screamers. Super. Mais non, putain! Mais... Oh... Pourquoi je fais des clics dans le... en dehors de la fenêtre? Putain, je suis désolé, mais j'ai laissé ma souris dans la... Putain, le couillomètre là il est à zéro. Je rapproche ma tronche parce qu'il faut que, quand même que je scrute chaque recoin de la map. En tout cas, on est à 23 minutes de vidéo, de la deuxième partie de vidéo. Hein. Je crois que je vais mettre une seule partie, ce sera celle-là, hein, c'est la plus longue et la plus prenante. Donc voilà, je vous dis tout de suite 23 minutes de vidéo. Et je trouve pas les bols et Sandy Tubby me trouve pas non plus d'ailleurs. Je sais, il y a une souris, mais ça je peux rien, la souris. Non, sur mes actions, on pourrait l'enlever, mais non. Oh, ralentis pas s'il te plaît, c'est pas le moment. Non. Oh, putain. Bon, c'est quoi pour aller... Ah! Oh putain de sa mère! Oh putain de sa mère! Oh chut! J'allais dire pour énerver, on va ralentir et tout. Je me suis dit, allez hop, on va ralentir comme ça il va venir nos... Oh putain! 24 minutes de vidéo, je vous jure, 24 minutes de vidéo. Sandy Tubby nous colle au cul. Pas le temps de ralentir cette fois-ci. Hein. Pas le temps de ralentir, putain. Wouah. Ouais, j'ai eu la... Vous avez vu à la caméra, hein, vous m'avez vu. Hein. J'ai sursauté cette... Non! Pas bloqué sur un arbre. J'ai sursauté, c'était un truc de malade. Voilà, ça sent la maison à proximité, ça.
Allez, j'ai failli me faire avoir. Putain. Beaucoup d'insultes, faites que j'ai peur et tout, machin. Oh, mon dieu, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, un beau screamer. Maintenant, ça ne me fait plus peur, les screamers. Oh, vous pouvez m'en balancer autant de fois que vous voulez. Ce qui me fait peur, c'est celui qui me court après, en fait. Si je meurs d'une crise cardiaque, en pleine vidéo, bah déjà je pourrais même pas la publier, donc c'est même pas la peine. Donc vous pourrez même pas voir ce que je fais. J'en conclus que j'ai dit une grosse connerie. Donc là c'est pas bon, c'est bloqué jusqu'où? Ok, là c'est pas bloqué, ok. Vous avez entendu autant que moi le cri fourbe de Stancy, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Moi je vous jure, j'ai peur. C'est pas faute d'avoir peur, hein, quand on a Stancy Stubbs au cul. C'est forcément pas bon. Oh mon dieu de... Non, 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 non. Non, Windows ne commence pas à me faire des siennes. C'est pas le moment. J'ai 8 balles sur 10. Il m'en manque 2. J'ai juste envie de trouver et de finir ce putain de jeu avant que Scintitubise me trouve et me bouffe. Ça rime, c'est pas fait exprès. On va passer par là. C'est n'importe quoi, j'en tremble, je tremble. Et j'en suis sûr d'une chose, Sandy Dubise est juste derrière moi. Si je ralentis, c'est la mort assurée. Donc bon, là c'est même pas la peine, c'est la plage, donc on va passer par là. Je tourne en rond depuis tout à l'heure à essayer de trouver ces putains de bols. Et je les trouve pas. Normalement, faut pas que je fasse ça. Voilà, frousse. Regardez à 24 minutes. Si vous voulez revoir la frousse que j'ai eue, retournez à 24 minutes de la 24e minute de vidéo et vous allez voir la trouille. Là, j'ai la trouille parce que c'est moi qui. Parce que je suis en train de faire le jeu et je suis en train de tourner. Donc c'est normal que j'ai la trouille. Quand je revois la vidéo. Mais je vais encore plus avoir la trouille parce que je vais voir les screamers, je vais voir tout ce qui se passe, au détail près ce qui s'est passé, ce que j'ai enduré pour vous, cher public. Putain! Alors j'ai dit putain mais j'aurais pas dû. Parce que ça ne fait même plus peur les screamers. Merde, il faut pas que je fasse tomber mon verre. Ça fait plus peur les screamers, putain. C'est normal que j'ai peur et j'étais à côté de la maison. Enfin, je suis à côté de la maison. Eh mais ça fait peur, hein, sérieux. Quand les touches bug, on peut pas faire grand-chose. La lumière qui sert à rien du tout. Et je vous jure, avant que je tourne cette vidéo, j'ai essayé de tuer cette étubise. C'est complètement con. C'est complètement con. J'ai essayé de tuer Sensitubis, mais tout le monde le sait, on peut pas tuer. On peut pas tuer dans ce jeu. Ah, mais avance. C'est parce que j'ai mal au doigt. Bon, allez hop. Vous savez quoi? On va mettre fin à la vidéo en faisant un demi-tour vite fait. Et on va faire un demi-tour comme ça. On va longer le. Non, on va pas faire un demi-tour. On va garder notre sang-froid et on va faire comme ceci. Là, tout en... Oui, on est au bord de la plage, vous l'avez remarqué, la plage est là. Vive les textures de l'eau. Hein. Normal, c'est le premier slender pendant que la tortue fait je ne sais quoi derrière mon dos. Oui, parce que j'ai une tortue dans ma chambre.
Ne cherchez pas à comprendre, c'est même pas la peine. Par contre, 30 minutes de vidéo. Bon, je vais quand même mettre les passages de Sense du Beast 2 à la fin de la vidéo. Non, au début de la vidéo. Si au début de la vidéo, vous aurez le passage de Sense du Beast 2. Donc, vous l'aurez. Donc, c'est sûr, vous l'aurez déjà vu. Vu que ce sera au début. Si vous voulez revoir le truc, ben vous avez juste à revenir au début de la vidéo. Donc voilà. Bon, en attendant, moi j'ai la trouille. J'ai le trouillomètre, il a plus 1000. Ah, c'est sûr. Le trouillomètre est à plus 1000. Oh putain. Fred, pas vrai. Ouais, pour le lol, je vais mettre la lumière. Je suis sûr qu'il est à côté de moi, salaud. Il attend qu'une chose, pouvoir me bouffer. Il a deux doigts de venir me bouffer. Il le fait pas. Ouais, on revient sur la route. Va rescruter les. Putain, on revient sur la plage, mais c'est pas vraiment. Hop. Alors, je suis sûr, j'ai contourné cette tubise, un truc de malade. Mais là, pour tout vous dire, enfin, il est rapide là. Parce que j'ai plus que deux balles à trouver. Et imaginez quand il m'en restera plus qu'un. Déjà là, c'est la fosse totale. Même en plein jour. Et imaginez s'il m'en reste plus qu'un. Là déjà il m'en reste plus que deux. C'est déjà catastrophique. Mais imaginez, il m'en reste plus qu'un bol. Bon alors là, moi je décède sur place. Mais ralentis pas, bordel. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, vous avez remarqué que ça lag pas. Peut-être les bugs sont, mais. Ça c'est le début de la plage il me semble, non, parce que vu le sol, non je le sable, ah non, c'est la route, c'est normal. Bon. Petit moment de concentration, mais un petit pas bordel, pourquoi j'ai lâché le Z? Je vais me faire bouffer par cette petite tupisse ou quoi? Et je fais du moonwalk vers l'avant. Là 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 là. Vous avez trouvé ce putain de bol. Je tourne à 360 degrés pour voir s'il est pas derrière moi. On sait jamais. Ben, apparemment non. Par là c'est une mauvaise idée, on va retourner sur la route parce que si on sort du chantier, ça va pas le faire. C'est pas les Slender original, c'est pas Slender original, hein. Mais ça se rapproche. On revient sur la grotte où j'ai chopé le bol, ah, un petit pas toi. Ok, on passe par là pour rejoindre l'intersection. Qu'est-ce que je fais? Je me blesse. Oh putain. Vais me faire bouffer à fond à la fin. Le problème c'est que j'arrive pas à trouver les foutus bols. Il me reste deux putains de bols et j'arrive pas à les trouver quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, la plage. Tant pis, on retourne sur la plage, on va peut-être scruter les bords un petit peu. Je regardais s'il y avait une araignée, vous savez jamais. Mais ce n'est que la tortue.
Et normalement, le Slender de base, dans le jeu Slender il bouge pas. Hein. Non, le Slender il bouge pas. Hein. Je suis formel. Hein. Putain, pourquoi ça ralentit comme ça le coup? C'est pas mal ce problème. Donc là, on va passer par là. Voilà, il ne faut pas que j'appuie sur le clic. Je vais mettre mes doigts là, comme ça clique d'une part. Je vais accélérer. Voilà, il faut que j'ai lâché le bouton d'accélération. J'ai peur. Enfin, j'ai un peu moins peur, parce que j'ai l'impression que cette idée du vise m'a laissé tranquille. Mais ce n'est qu'une impression. On va passer par là. Écoutez, non, je suis jamais passé par là. Je ne devrais pas. Et je pense que vu la densité que c'est, vu la plaine que c'est, on va s'approcher de la maison où est Sentitubis actuellement. Là, on s'approche de la montagne, donc il faut frôler la montagne. En quête de... On va passer par là. Je ne sais jamais passer par là, mais on va pas y aller. Oh putain, si, il est juste à côté en fait, il est juste derrière, mais on ne voit pas, il est pas visible, il est collé à moi. Putain, c'est pas vrai. 37 minutes de vidéo. Cette vidéo va durer 1 heure. J'ai jamais exploré ce point-là. C'est quoi? Il n'y a un petit pas, bordel. C'est la plage, ok. Ok, d'accord, ok. Très bien. On se retrouve devant le sadi du bis jaune. On peut aller par là. Je suis jamais allé par là. Il y a un bol. Donc plus que ça qu'il y a un bol pas loin. Non. 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 Je vous jure, là j'ai peur, j'ose même plus parler. Parce que c'est pas parce qu'il fait jour que les Sandy Dubis n'apparaissent pas. Je scrute les bords de la montagne pour voir si... Ah merde, un petit peu bordel. Bug de clavier, bordel. Ok, j'ai cru que c'était une sauterelle qui était sur le côté, mais non, c'est pas une sauterelle, ça du tout. Là, y'a rien. On va aller par là. Sans se faire coincer, évidemment. Saute, saute. Ok, d'accord, ok. Le mec, il me suit même si je saute. C'est tout à fait logique et normal. Par là, hop, je longe. Hein. On est déjà passé par là, on a déjà récupéré le bol là-haut. Je vais quand même mettre fin à la vidéo, même si je trouve pas les bols. Hein. Même mourir avant. Il ralentit pas, bordel! Le con, il ralentit. Oh. J'ai pas demandé à être ralenti. Hein. Je bouille oh, possible. Bon. On ralentit si tu veux, parce qu'il faut quand même tourner. On longe en fait, on longe la montagne exprès pour trouver, pour essayer de trouver. Ok, on peut pas aller plus loin après, c'est un mur. Enfin, un mur invisible. Normal. Ok, un mur invisible. Ça serait très ici la map ou quoi?
Donc, comme vous l'avez deviné, je longe le mur. Enfin, le mur. Je longe la montagne pour essayer de trouver. Voilà, comme ça, moi, je suis sûr qu'il me suivra pas. S'il me suit, c'est que franchement, c'est un fou. Ok, j'aurais pas dû. Ah, putain! Oh putain, sa mère! Dégage, espèce de saignée du pisse à la con, le mec. Boule! Ah oui, il était effectivement derrière moi. J'en étais sûr qu'il était là. Je vais marcher dessus. C'est normal. Bon bah, je suis désolé les amis, je vais mettre fin à la vidéo. Parce que je trouve pas les deux. Je vais pas vous laisser plus longtemps parce que. Parce que déjà c'est. J'ai une limite de la merde dans le caleçon. Faut que j'aille me laver. Quasiment. Il faut carrément que j'aille me laver parce que ça pue dans ma chambre. Non, évidemment, je rigole, hein, évidemment. Hein, je suis pas chié dessus. Hein. Le mec qui se chie vraiment dessus, c'est que c'est un. C'est qu'il n'y a pas les. Voilà quoi, c'est. Voilà. Je me classe dans cette catégorie, mais c'est. Voilà. Bon, sur ce. Je ne peux pas quitter ceci. Sur ce, sur ce cri de Sender, de Sandy Dubis, pardon, on va se laisser, prenez soin de vous, portez-vous bien et ne jouez jamais à ce jeu. Salut.